Salut. Alors aujourd'hui, je vous emmène avec moi. Je vais faire quelque chose qui est important pour moi. J'ai l'occasion de filmer des choses qui vont satisfaire ma curiosité, c'est vrai, d'en savoir un peu plus sur ce beau geste, d'en savoir un peu plus sur ce qui se passe après, sur l'envers du décor. Alors je vous emmène avec moi. Fields were mine. We played hide and seek for hours, raised our shadows among the pines. So offshore, playful and free, without a care in the world, I was one rich little girl. Daydreamer, kidnap me, take me back, all the way back. Them days running around in a gown and a crown, barefoot. No mistake ever kept me late. We spent summers catching fireflies and winters on our skates. One big smile across my face. We used to dance our way to church on Sundays. Mama set the pace. Daydreamer, kidnap me, take me back, all the way back to them days. Vous avez eu un petit aperçu de ce que j'ai pu découvrir hier. Ça a été vraiment une grosse découverte pour moi parce que j'étais à des années-lumière d'imaginer tout le processus qu'il y avait après un don de sang. Vraiment, je n'imaginais pas. Pour être honnête, j'avais une vision très simple de la chose. Pour moi, concrètement, hein, je vais être honnête, quand je donnais mon sang, la poche partait, on prenait une goutte de sang, on la mettait sur une plaquette, on vérifiait mon groupe sanguin, on vérifiait les pathologies, et ensuite, si tout était bon, on envoyait ma poche entière pour qu'elle soit transfusée. Bon bah non, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. En fait, j'ai réalisé que c'est vraiment une très très grosse machine qu'il y a derrière, que c'est beaucoup beaucoup de rigueur, beaucoup de procédures, beaucoup de temps, et beaucoup de personnes aussi qui œuvre pour aider des gens et sauver des vies derrière. Je n'avais pas idée, vraiment, vraiment, vraiment. J'ai même appris toutes les personnes que j'allais pouvoir aider grâce à une poche de sang, parce que bah voilà, j'ai déjà donné par le passé, et je pensais honnêtement que j'allais pouvoir aider une personne, et finalement non, c'est bien plus que ça. Et même vis-à-vis de tout ça, j'imaginais juste que c'était transfusé à des personnes qui, par exemple, avaient de graves accidents de la route et faisaient de graves hémorragies. Ben non, pas du tout. Il y a énormément de personnes malades qui sont transfusées régulièrement, des personnes atteintes de leucémie, etc., qui doivent régulièrement être transfusées. Mais aussi, donc effectivement, pour les hémorragies, également pour toutes les opérations lourdes, vous voyez, comme les opérations du cœur, où là, il faut apporter beaucoup de sang, mais aussi pour la réalisation de médicaments. Donc là où on pense qu'en fait nous, personnes lambda, en tout venant, on pourrait ne jamais en profiter, même pas, on en profite déjà de ces dons de sang, parce que si nous ne donnions pas de sang, il ne pourrait pas y avoir de plasma collecté qui permette la réalisation de médicaments, mais aussi la création d'actifs, je pense que c'est ça qu'elle m'a dit, qui permettent de faire ensuite les tests sanguins. Vous savez, quand on va au labo, qu'on fait une prise de sang, bon bah voilà, on nous fait tout un tas d'analyses sur notre sang. Bon bah ça, c'est parce qu'en amont, on a créé des actifs qui permettent de faire ces analyses. Donc on en profite déjà tous, sans arrêt, sans même le savoir. Vraiment, j'étais à des années-lumière d'imaginer à quel point c'était important pour nous tous. Et aussi,
C'est vrai que j'avais pas mal d'a priori, notamment sur les groupes sanguins, et je pense qu'on se le dit tous. J'imaginais par exemple qu'il fallait essentiellement des O négatifs, mais non, c'est bien plus complexe que ça. Que tout était catégorisé juste par groupe sanguin et rhésus, mais non, c'est encore plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'on étudie tout un phénotype pour administrer au receveur le sang qui lui correspond le plus, parce qu'il ne s'agit pas juste de transfuser. Des fois, il y a des personnes qui sont porteurs d'une maladie. Pour les aider, on va leur transfuser un sang qui est particulièrement fort contre ce virus. Et donc tout ça, c'est parce que ça a été analysé dans le détail avant et très 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 bien classé de façon à pouvoir donner le profil de sang le plus adapté au receveur. C'est assez exceptionnel, je suis admirative de leur travail, mais aussi de leur connaissance, parce qu'il y a plein de choses que je ne comprenais pas, et j'avoue que ça a attisé ma curiosité, que j'aurais aimé même en comprendre davantage pour pouvoir vous en relater davantage, mais ça reste un monde vraiment très très complexe et très réglementé aussi. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses, beaucoup de précautions. En tout cas, c'était absolument passionnant. Alors du coup, c'est à mon tour de vous raconter un petit peu ce qui se passe en fait. Donc c'est vrai que vous imaginez bien, du moment où le sang est donné, il y a un compte à rebours qui s'enclenche, parce qu'effectivement c'est vivant et on doit en prendre énormément soin. Donc ça part très très rapidement dans les centres en question, et en fait tout ne part pas au même endroit. Ça a été ma première découverte. Je ne sais pas si vous avez déjà donné votre sang et si vous avez pu vous rendre compte que dans un premier temps on nous prélève 5 tubes de sang. Alors moi je l'avais vu, mais j'ai tellement peur que j'ai des zones un peu d'ombre dans mon souvenir, parce qu'en fait comme j'ai peur, j'ai tendance à disperser mon attention et à ne pas tout voir. Mais effectivement on commence par nous prendre 5 tubes. Alors première raison, c'est tout simplement parce qu'on pourrait avoir des bactéries sur la peau, donc les premiers 30 ml on ne peut pas les administrer au cas où il y aurait une cochonnerie qui soit passée dans le sang. Donc on les récupère et on va récupérer en tout 5 tubes qui vont partir immédiatement en analyse, en même temps que la poche, elle, va suivre un autre circuit. Comme le temps est compté, ces deux processus vont se faire de manière parallèle et simultanée. Et donc ces 5 tubes vont permettre tout simplement de déterminer le groupe sanguin, de le vérifier, voire de le contre-vérifier. Même si on est sûr, on vérifie jusqu'au bout pour être sûr que le receveur reçoive vraiment le bon sang et qu'il n'y ait pas d'accident fatal. Et puis on va vérifier qu'il n'y a aucune des pathologies évoquées, donc notamment le sida, l'hépatite A. Il y a une autre maladie sexuellement transmissible et on peut vérifier le paludisme et un autre que j'ai oublié. Et donc tout ça, évidemment, ça va prendre du temps. Il y a énormément de personnes aussi qui travaillent sur tout ça. C'est très très rigoureux et ça va permettre ensuite de valider ou pas le sang. Bon, effectivement, malheureusement, des fois ça n'est pas validé, ça reste rare. En fait, des fois, ils détectent des virus. Donc dans ces cas-là, en fait, ensuite, ils contactent les personnes en question. C'est très rare, mais bon, ça arrive. Ceci dit, la personne qui nous a reçus nous a raconté une chouette histoire. C'est qu'en fait, elle m'expliquait que le VIH met, alors j'espère ne pas dire de bêtises, met 15 jours à s'activer et s'exprimer. Et en faisant la recherche de virus, ils ont donc vu qu'il avait été contaminé il y a quelques jours, qu'il était donc dormant, il n'avait pas encore commencé à s'exprimer. Ils l'ont tout de suite contacté et en fait il semblerait qu'il ait pu être guéri parce qu'on était encore dans ce temps de latence. Moi je trouve ça waouh, c'est-à-dire que là il a fait un don lui-même et disons il a été sacrément remercié pour ce don lui-même. Donc voilà, j'étais touchée par cette histoire parce que c'est vrai qu'on n'imagine même pas la portée de tout ça et de tout ce qui est mis en place aussi lorsqu'il détecte un virus. Bref, donc toujours est-il que ces analyses vont au fil des heures également être faites et en parallèle la poche va être traitée. Donc c'est pareil, on en prend énormément soin, il y a vraiment toute une procédure aussi pour qu'on ne mélange pas les poches. Vous voyez bien que tout est bipé à chaque fois, enfin c'est vraiment une machine très 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 bien rodée. Et puis en fait, dans un premier temps, ils vont les laisser reposer pour séparer les leucocytes. Alors ça c'est pareil, je ne savais pas, donc il y a un temps de repos. Et puis ensuite, ça a été ma première grosse découverte, je ne savais pas qu'on divisait les éléments du sang. Franchement, je ne savais pas. Pourtant, je savais qu'on pouvait faire des dons de plasma, etc. Mais je pensais que le sang entier était gardé entier, en fait, tout simplement. Et ben non. Donc en fait, c'est centrifugé et c'est ce qui va permettre ensuite de séparer le plasma des plaquettes, des globules rouges, en sachant que les plaquettes devront à nouveau être centrifugées pour pouvoir vraiment ne récupérer que les plaquettes qui ne sont pas rouges. Ça aussi, ça a été ma grande découverte. Bref, donc du coup, ça va demander beaucoup de travail, un certain processus, et puis aussi beaucoup de soins, notamment pour les plaquettes qui demandent
de rester oxygénée, donc on en prend vraiment soin, elle reste en mouvement. Pour chacune et chacun, il va y avoir aussi des conditions optimales de conservation jusqu'à la fin. D'ailleurs, le plasma est même congelé. Et finalement, chaque partie du sang va servir à quelque chose et à quelqu'un de spécifique. Ce qui veut dire que lorsque l'on donne son sang et que grâce à nous, une poche est remplie, potentiellement, on peut aider 3 personnes différentes. Waouh, ça m'a rempli le cœur de savoir ça. Parce qu'en plus, ça n'est pas tout. Potentiellement, on pourrait contribuer à la non-thérapeutique et partir dans la... Enfin, et partir. Et que c'est une partie de ce sang soit utilisée pour la conception de médicaments, la réalisation de tests, l'amélioration de certaines analyses. Je trouve ça fou parce que vraiment, je n'imaginais pas qu'on puisse aider autant de monde. Peut-être même que le sang que j'ai donné par le passé a contribué au confort et au bien-être de dizaines, de centaines de personnes, je ne sais pas. Alors c'est vrai, on ne sait pas, mais en même temps, ce mystère fait partie de l'histoire. Je trouve que c'est beau, que c'est plein de sens. Alors après, sinon, concernant le don de sang, vous l'aviez vu en 2017, j'ai une vraie trouillarde, mais vraiment j'ai très très peur. Je vous remets la vidéo en dessous si vous voulez aller voir. C'est vrai que même encore aujourd'hui, quand j'étais à la maison du don, moi, j'étais déjà stressée de voir les gens donner leur sang. Si je peux vous donner quelques conseils, c'est premièrement d'aller plutôt dans un établissement, plutôt que dans le petit camion, parce que je trouve que dans l'établissement, c'est quand même un petit peu plus rassurant, un petit peu plus convivial, on est vraiment proche de vous, on est à votre écoute, c'est pas du tout le même environnement et le même accompagnement. Donc si vous avez peur, commencez par un établissement. Allez-y accompagner dans la mesure du possible et puis je vous dirais de vous concentrer sur ce qui anime votre venue. Je me souviens l'an dernier, je n'ai cessé de penser que ce sang pourrait être utile à un enfant de l'âge de mon fils qui est gravement malade et qui lui pourrait rester 1 heure, 2 heures sur des semaines entières à revenir régulièrement piqué pour être transfusé. Moi c'est 10 minutes, je n'arrêtais pas de me le répéter. De toute façon on le voit très bien dans la vidéo de l'époque. J'étais hyper tendue, mais en fait, j'essayais de me concentrer sur l'issue, sur la finalité, sur ce qui m'animait dans ma venue à la maison du don. Donc voilà, peut-être que ça pourrait vous aider. D'ailleurs, actuellement, il y a un défi sur la plateforme Diffuse. Si jamais le cœur vous en dit, n'hésitez pas. Peut-être que ça pourra vous aider, vous donner de la motivation. En tout cas, un grand, grand, grand merci à l'EFS de m'avoir reçu parce que voilà, je sais que c'est un univers qui est quand même assez fermé parce qu'il y a beaucoup de procédures, puis il y a aussi des règles d'hygiène sanitaire, etc. Merci beaucoup, je pense que ça n'a fait que renforcer mes convictions et mes idées. Et puis je voudrais vous dire aussi, lorsque vous faites un don, même si vous avez peur, je vous invite à pas laisser la peur décider pour vous. C'est vous qui décidez. Bye. Barefoot.